À tous Et à toutes, ravi de vous retrouver encore une fois pour cette nouvelle édition de l'émission La parole inspirée. Euh, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous avons un invité et pas des moindres, un évangéliste qui va venir nous parler d'un thème qui lui est très important qui s'intitule La foi de Dieu. Je vais laisser l'invité se préparer et ensuite nous revenons pour la suite. Évangéliste, bonjour. Bonjour, ma sœur. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Très bien, alors je vais vous laisser vous présenter un petit peu, nous dire nous, en quelques mots hein, votre parcours, d'où vous venez, où est-ce que vous habitez. Oh, Je suis l'évangéliste Rodrigue Makungu, pour tous ceux qui nous suivent. Je salue d'abord tous les enfants de Dieu, tous les serviteurs, servantes de Dieu qui nous suivent de partout. Soyez vraiment bénis, que Dieu vous bénisse en ce moment. Je suis l'évangéliste Rodrigue Makungu, je suis... À l'église, je travaille, j'exerce à l'église Vie Miracle, ici, sur Paris. Paris-même ou bien Paris a même, la banlieue Paris-même, Paris-Banlieue. D'accord. Eh, mais on n'a pas commencé à Paris, c'est depuis Kinshasa. Parce Très que là-bas, nous avons une église mère. Donc, nous avons commencé depuis là-bas. C'est mon mentor, mon père spirituel, Réveillon Richy, Makoum aussi, qui est aussi mon frère. En même oui, c'est ce que j'allais vous demander. Donc, donc vous êtes euh, de la même famille. De la même famille. Très bien. Et nous travaillons. Nous sommes en train de travailler pour l'œuvre de Dieu avec la prophétesse Karine aussi, Makungu, qui est aussi ma sœur. Donc, c'est ça, nous sommes toujours dans le travail de notre Seigneur, dans très... le chant de Dieu. D'accord. Et c'est là depuis très longtemps Oui, c'est là depuis très longtemps. Ça fait vraiment longtemps que nous sommes dedans. D'ailleurs, c'est depuis la naissance que nous étions là-bas. Très bien. D'accord, très bien. Eh bien, nous allons entrer dans le vif du sujet, donc avec le thème que, qui va être traité aujourd'hui. Donc, la foi de Dieu. Yes. Assez intéressant. Yes. Donc, euh, je vais vous laisser nous introduire euh, sur le thème. La foi de Dieu. Vraiment, j'ai béni Dieu parce que c'est très important, la foi de Dieu. Ma sœur, vous savez beaucoup, aujourd'hui nous prions, tout le monde peut avoir la foi. Mais il y a une différence entre la foi de l'homme et la foi de Dieu. Nous pouvons aujourd'hui, il y a des gens qui échouent aujourd'hui, mais ils ont la foi. Comme à l'exemple, on a des versets qu'on va lire, comme l'exemple de Pierre, il était avec Jésus. Mais Pierre, il a quand même échoué. On a vu que l'Éternel, pour commencer, Dieu avait besoin de sauver les enfants d'Israël. Mais pour sauver les enfants d'Israël, il avait besoin de Moïse, en sachant que Pharaon était Dieu. Et pour combattre Dieu, il faut être aussi un Dieu. Et en tant que Dieu, tu dois avoir la foi des dieux. Puisque si Moïse s'est présenté en tant qu'un homme, avec la foi d'un homme, il allait échouer. C'est pourquoi Dieu avait appelé Moïse dans Exode chapitre 7, verset 1. Si on peut lire. D'accord. Alors, versets. avant de lire ce verset, moi, je vais vous parler de manière très littéraire. Yes. Parce que quand j'entends le mot la foi de Dieu. Mmh. Littéralement parlant, mmh. moi je vois la foi de Dieu. Mmh. Et là, je vois que vous voulez nous parler de la foi de Dieu. Donc c'est l'homme à travers Dieu. Voilà. Parce que euh, sur un sujet de dissertation, ça pourrait être sujet à confusion. Hein, yes. De dire la foi de Dieu. Est-ce qu'on ne pourrait pas dieux. employer un autre terme que la, la foi de euh, Dieu la, la foi des Dieu moi c'est parce que vous savez, Dieu est la foi, puisque la foi vient des dieux. Dieu ah, donne la, la foi à l'homme. Dieu donne, il a la foi, il est la foi, il donne aussi la foi. Parce que la Bible dit, la foi vient de qui Des dieux. Donc, c'est-à-dire, Dieu est la foi, Dieu a la foi. Et pour combattre, pour en tant que, pour être Dieu, pour agir comme un Dieu, il faut aussi avoir la foi des dieux. Puisque que si tu n'as pas la foi des dieux, tu ne peux pas agir en tant que dieu. Parce que la Bible dit dans, les, dans, les, dans 1 Jean chapitre 4, Vous petits enfants, vous êtes des dieux. Donc c'est-à-dire, nous sommes des dieux. Quand tu es Dieu, tu as aussi la nature des dieux. Donc tu as la foi de dieux. Tu ne peux pas être sans avoir. Puisque Dieu donne la foi, il a aussi la foi. Mais qu'est-ce que vous en savez que Dieu a aussi la foi Dieu a aussi la foi parce qu'il est la foi, puisqu'il donne la foi. La foi vient de lui. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. D'accord. qu'on attend On vient de aller, la hein? parole. On Et va la aller parole dans l'Exode. C'est Dieu. On va aller dans l'Exode 1, yes. donc euh, euh, chapitre 1, verset 1 de yes. l'Exode. Mais sauf que si Dieu donne la foi, il mm -hmm. y a quand même des hommes qui n'ont pas la foi. Ah. Voilà. Il y a des gens, on voit il y a des hommes aussi qui n'ont pas la foi. Il y a aussi des gens qui ont peur des fois. Très bien. Parce qu'on a vu Jésus il y a des fois. Il disait aux gens, homme de peur des fois. Tout à, on à fait. On a vu Jésus à des fois. Il disait aux gens, ta foi t'a sauvé. On voit aussi quelque part dans la Bible, la Bible dit, vous n'avez pas la foi. Et si vous avez la foi comme un grain de s'élever, vous pourriez dire à cette montagne, c'est-à-dire, ils n'avaient pas la foi comme un grain de s'élever, c'est pourquoi ils n'ont pas pu, c'est pourquoi ils ne peuvent pas dire à la montagne de se déplacer. Donc, pour déplacer une montagne, il faut avoir la foi. Si tu n'arrives pas à déplacer une montagne, c'est-à-dire, tu manques la foi. Parce qu'on peut aussi manquer la foi. On peut aussi avoir la foi, mais la foi a une petite quantité. Très bien. On peut aussi avoir la foi, aussi une grande foi. Comme Christ a parlé à, à ses centenaires, il a dit, je n'ai jamais trouvé aussi une grande foi. Donc, il y a des nuances, il y a des dimensions de foi, il y a des quantités de foi, il y a vraiment beaucoup de choses sur la foi. Très bien. D'accord. Allons à l'Exode. Donc, euh, je vous invite chez vous hein, à suivre en direct ou yes. à prendre vos bibles. Et donc, allez, Exode ch euh, chapitre 1. Verset 1. Yes. On va lire la parole de Dieu. Alors, excusez-moi. L'Éternel voilà. dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. » Yes. Ouais. On a vu que Dieu appela Moïse. Pourquoi Parce qu'il voulait sauver les enfants d'Israël. Mais en connaissant que Pharaon était Dieu, tu ne peux pas combattre un Dieu en tant qu'humain. Si tu veux combattre un Dieu, il faut que tu sois aussi un Dieu. C'est pourquoi lorsque Dieu appela Moïse, il dit à Moïse. Je t'ai fait Dieu. Moïse était un homme, mais il dit Je t'ai fait Dieu devant Pharaon pour combattre Pharaon, puisque Pharaon était Dieu en Égypte. en Égypte. Donc tu ne peux pas parler avec Pharaon parce que Pharaon avait beaucoup de choses. Pharaon, il était Dieu. Il, mm -hmm. il représentait Dieu. Il était tout en Égypte. Mais Dieu a fait à Moïse comme un Dieu. Pourquoi Parce que si Moïse venait en tant qu'un homme avec la foi des hommes, il allait avoir peur de Pharaon parce que tu ne peux pas, tu ne peux pas affronter Pharaon, tu ne peux pas combattre Pharaon, tu ne peux pas lever ta tête devant Pharaon. En tant qu'un humain, Moïse devait avoir, il, il, il allait avoir peur parce qu'il connaît Pharaon. Mais Dieu a dit pour combattre cet homme, pour combattre ces dieux je te fais Dieu. Or, oh, Dieu, c'est la foi. La Bible dit la foi et la parole déclare encore. A Dieu, rien n'est impossible, mais tout est possible à celui qui croit. Dieu savait que s'il laissa un, un Moïse lui-même aller comme un homme, ça n'allait pas marcher. Il, il, il fallait doter Moïse. Les, les capacités, sa nature, que Moïse puisse avoir la foi de Dieu pour combattre aussi un Dieu. Moïse devait avoir la foi de Dieu pour agir aussi et comme un Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui, nous échouons dans la vie chrétienne. Pourquoi On a la foi en Dieu. C'est bien. On a la foi. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la foi de Dieu. Pourquoi Parce que la foi de Dieu ne requiert jamais ma donc la foi de Dieu, moi je reviens donc au terme, hein, la yes. foi de Dieu. Et euh, pourquoi est-ce que c'est comme Dieu donne pas à tout le monde mmh. Et pourquoi est-ce que la foi ne serait pas la même chose C'est-à-dire qu'elle est permise à certaines personnes et pas à d'autres. C'est-à-dire que si Dieu décide que je vais m'adresser à Moïse parce que je sais que Moïse en est capable. Je sais que je ne peux pas m'adresser à Nancy parce que sa foi n'arrivera pas jusqu'à ce niveau. C'est-à-dire tu sais, que Dieu en donne la foi, de la foi. Dieu a donné la foi à tout le monde. Cela dépend de toi-même comment tu le prends. La Bible a dit la foi vient de Dieu. On sait où se trouve la source de la foi, c'est Dieu. Bon, tout le monde revenir sait à que la que source de la foi, c'est Dieu. Donc à Jésus chacun dit, maintenant d'aller chercher, lorsque... je vais puiser comment, Mais comment lorsque Jésus parle aux gens qui ne sont pas sûrs et qui leur dit, homme de peu de foi. C'est-à-dire, ces gens-là, ce ils sont... avaient la foi, mais là, la humain. quantité n'est pas beaucoup. En tant qu'humain. Donc yes. en tant qu'humain. On a tous la foi. Il y a des, des gens Dré. qui n'ont pas la foi, il y a des gens qui ont la foi, il y a des gens qui ne croient pas, il y a des gens qui disent que vous, Dieu n'existe ne pas, pas. Oui, ce pas à Dieu, oui, Dieu n'existe pas. Alors là, on est sur les athées, donc yes. on les met de côté. Voilà. On ne parle même pas de. Voilà, mais voilà. ce que je veux dire, c'est que la foi elle est biblique, toute mm -hmm. elle est biblique, mais euh, que peut-être que Dieu ne l'accorde pas à tout le monde, enfin, tout, tout bonnement, puisqu'il y en a qui y croivent et il y en a d'autres qui n'y croivent pas. Ceux qui y croivent arrivent jusqu'au bout. Moïse, mm -hmm. il avait foi en Dieu. Il donc... avait la foi en Dieu, mais la foi de Moïse ne suffisait pas pour aller convaincre Pharaon. La foi de Moïse ne suffisait pas pour faire la tête à Pharaon. C'est pourquoi Dieu a fait de Moïse encore Dieu. Il a dit, je te ferai Dieu devant Pharaon, parce qu'il y avait des choses qui manquaient. Moïse ne pouvait pas aller comme un homme normal parce que ça n'allait pas moi parce que Pharaon c'est un dieu ma soeur. tu ne peux pas combattre un dieu comme ça mais si tu as la foi mais tu dois avoir la foi de Dieu tu dois avoir la foi de Dieu pour combattre un dieu puisque le combat de Dieu c'est entre les dieux un humain ne peut pas combattre un dieu tu dois avoir tu dois être supérieur de ces dieux comme l'esprit de Dieu est supérieur, donc Dieu a donné à Moïse une foi supérieure pour s'y monter, pour affronter Pharaon, pour pour détruire Pharaon, pour libérer les enfants d'Israël. Il fallait quelque chose qui est supérieur de Pharaon, et des C'est pourquoi Dieu a fait d'abord de Moïse un dieu. Et lorsque Dieu te fait un dieu il va te doter de toutes les capacités d'un Dieu comme lui. Puisque Dieu, la nature de Dieu, c'est la foi. La nature de Dieu, c'est l'amour. Si Dieu te fait, Dieu, il va te donner toute sa nature. Tu auras tout ce qu'il a. Il va te donner, enfin, de se glorifier en toi. Donc, c'est pourquoi Dieu a donné à, à Moïse cette foi et cette foi de Dieu, enfin, de conquérir et de libérer les enfants d'Israël. Très bien. OK. On va avancer sur le thème, yes. on va continuer, je, veux, je vous en prie. Yes. <laughs> et aussi, Marcel, tu sais, Pierre était avec Jésus. Tu vois, la foi, la foi de l'homme et la foi de Dieu est différente. Pourquoi Parce que la foi de l'homme est chaude, il y a des moments. La Bible dit que un, 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 un Pierre était avec Jésus en chair et en os. Pierre vivait avec Jésus. Pierre était enseigné par Jésus. Oui. Ils ont vu tout ce que Jésus a fait, ou il faisait. Ils ont marché avec Jésus, ils ont mangé avec Jésus. Mm -hmm. Mais un jour seulement, pendant qu'il y avait la tempête, Jésus a ordonné, Pierre lui-même a demandé à Jésus de marcher comme Jésus a marché sur les eaux. Jésus lui a dit Viens, viens, marche comme même. Pierre n'a pas pu marcher sur les eaux. Pierre Donc ça c'est Matthieu, hein? Ça c'est Matthieu 14. Matthieu chapitre 14. On va lire. On va lire, oui, on peut lire. D'accord, on va très lire. Matthieu chapitre 14. Verset 26. Donc alors Matthieu chapitre 14, verset 26 à 31. Yes. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent C'est un fantôme Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit Viens. Pierre sortit de sa barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais Voyant que le vent était fort, il eut peur et, comme il commençait à foncer, il s'écria Seigneur, sauve-moi Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté Yes. Tu vois, Jésus, il parla à Pierre Homme de peu de foi, donc il a une petite quantité. Pourquoi as-tu douté pourquoi? Parce que la foi de l'homme a aussi des doutes. Dans la foi de l'homme, on peut trouver l'incrédulité. Dans la foi de l'homme, on peut trouver la peur. Dans la foi de l'homme, on peut trouver la, trouver la crainte. Dans la foi de l'homme, on peut trouver beaucoup de choses. Oui. Mais dans la foi de Dieu, on ne trouve rien, puisque la foi de Dieu est la foi. La foi de Dieu ne recule pas. Il y a des fois des gens, il, 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 il y a beaucoup d'enfants de Dieu, il a la foi, j'ai la foi, je crois en Dieu, j'ai un entretien que je veux faire. Il fait la prière, il croit en Dieu. Mais lorsqu'il il va partir, passer même l'examen des codes des de la route des permis, il échoue. Pourquoi Parce qu'il avait peur des inspecteurs. Et pendant qu'il était dans la salle, il a commencé à, à flipper, il a commencé à avoir peur, il est stressé parce que la foi de l'homme, il y a des fois ça stress. D'accord, mais où est-ce que vous voulez nous emmener Parce que pour euh, Moïse, vous avez dû, vous, nous, vous venez de nous dire qu'il a dû se faire Dieu pour, pour pouvoir combattre Pharaon. Mmh. Mais là, on est sur quelqu'un euh, qui a peu de foi devant Jésus. Mmh. Donc, où est-ce que vous voulez nous emmener? Non, je veux te montrer la, la, la différence entre la foi, des dieux la, foi Donc, la, foi la foi de Dieu et la foi de l'homme. Donc, la foi de l'homme et la foi des Dieu est différente. Je te dis d'abord, beaucoup des enfants, je te donne déjà l'exemple, les enfants de Dieu, nous prions, on fait la prière, pasteur, prie pour moi, je vais, aller, je vais aller faire mon entretien, je vais aller faire mes business. Mais les gens sous quand même, malgré la foi, ils sont Mais est-ce qu'on ne doit pas trouver ça que... normal? Non, c'est un, un enfant de Dieu. C'est pourquoi la Bible a dit, vous, Jésus a dit à Pierre, Homme de peu de foi. Bah voilà. s'il avait une grande foi... 1. La, la, exode 7.1. Oui? Je ferai de toi, je te ferai... Enfin, Moïse, euh, Dieu. Yes. Mais là, on parle d'homme de peu de foi. Oui. Donc, est, on, est, on est sur deux cas différents. Vous voyez ce que je veux dire Le, Ce que vous avez dit au départ. Mm -hmm. Donc, quelqu'un qu dont on fait Dieu pour pouvoir combattre un autre Dieu. Mais là, c'est un homme. Non, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer ce soir. Dans les circonstances, la foi de Dieu est très importante. Mm -hmm. Si tu veux réussir dans des circonstances, dans des épreuves, si tu veux faire des grandes choses, si tu veux affronter des géants, des grands, tu dois avoir la foi de Dieu. Si tu veux percer, si tu veux un, un franchir dans ce monde, si tu veux réussir, tu dois avoir aussi la foi de Dieu. Comme j'ai donné l'exemple de Moïse et je donne aussi l'exemple de Pierre. Pierre qui était avec Jésus, mais tellement qu'il n'avait pas la foi comme Jésus, c'est pourquoi Pierre a commencé à se noyer. Si Pierre avait la foi de Christ, s'il avait la foi comme Christ, il n'allait pas. C'est pourquoi Christ lui a dit, homme oh, de paix, on a vu un enfant qui était malade, mais les disciples n'ont pas pu le chasser. Lorsqu'ils ont, le Père a ramené la foi. À Jésus, Jésus a dit « reste incrédi jusqu'à quand serai-je avec vous » C'est-à-dire, je suis avec vous, j'étais avec vous tous les jours ici. Vous n'avez pas encore atteint le niveau que j'ai. Tu vois mm -hmm. que Jésus les répond. Mm -hmm. Vous n'avez pas encore, vous avez encore pas la foi de Dieu jusqu'à présent. Vous priez, vous allez dans des retraites, vous vous chassez des démons. Puisqu'il y a des gens ils chassent les démons aujourd'hui, mais ils ne croient même pas à sa prière. Oui. Il y a des gens qui prient, qui gèlent, mais ils ne croient même pas à leur prière. Il y a des gens qui demandent à Dieu. Ils ne croient même pas à leur demande. Or, la Bible dit, tout ce que vous demanderez par la foi. Donc, la foi est très importante. Tu dois avoir la foi de Dieu. Puisque la Bible dit, la foi de Dieu ne regarde pas les circonstances déjà. La foi de Dieu ne regarde pas les épreuves. La foi des dieux ne regarde pas les temps. Mais je suis d'accord, mais Vous m'avez dit, vous venez de dire, je reviens toujours sur l'Exode, que si on n'avait pas fait de Moïse un dieu, l'on lui faire comprendre que je te fais dieu pour combattre Pharaon, mmh. il n'allait peut-être pas y arriver lui-même. Mmh. Donc après, c'est pour ça que je vous dis, on revient maintenant sur le cas de Matthieu 14, où il a peu de foi. Mais personne ne lui a parlé. C'est vrai qu'il marchait avec Jésus. Mais je veux la contradiction. Dieu, Dieu, Dieu a fait de Moïse parce qu'il fallait. Mais maintenant, ouais. Jésus est venu avec nous. C'est nous maintenant qui devons chercher maintenant à avoir cette foi. Là, c'est Dieu qui a fait à, 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 à Moïse. Mais maintenant, c'est Dieu. Le salut est venu. Christ est avec nous. On ne va pas attendre, mais Christ nous a donné tout. Il nous a donné toute l'autorité. Il nous a donné la pouvoir. Il nous a donné une vie chrétienne des responsables. Donc, nous devons être des responsables nous-mêmes. On ne va plus attendre Dieu. Donc, comme la Bible dit, là, ah, non, on non, sait non, maintenant. Parce que la si source. on ne doit plus entendre Dieu, effacons l'Exode 7,1. Parlons que de Matthieu 14 26. Attends, tu ne veux pas l'exode 5. Non, je, je prends je dis par rapport à ce que vous venez de dire. Non, mais j'ai dit ma sœur, si pour combattre un, un dieu, il faut avoir la foi, tu ne peux pas aller comme ça. Si, si on te dit aujourd'hui oh, va, ça va va délivrer quelqu'un, un hein, qui a qui un, un démon ou soit un un, un fou comme tu vas dire non, peut-être c'est pas mon niveau, il faut avoir. pourquoi Parce que tu ne crois pas. Il y a déjà il, il a un problème il fait un songe mais il croit même pas qu'il peut prier, il peut prendre l'autorité il va prendre un le téléphone pour appeler des autres mais pendant qu'il est là il peut faire quelque chose oui, mais il aura toujours besoin c'est ça que je parle de la foi de Dieu c'est ça que je pense. Il faut avoir la foi de Dieu et non pas la foi des hommes. La foi des hommes regarde toujours les épreuves. La foi des hommes regarde les statuts. La foi des hommes regarde les conditions familiales. La foi des hommes regarde la télé, écoute la télé. Or oh, la Bible déclare, ma la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Si tu vis selon la foi, tu vivras comme un Dieu. Si tu vis selon la foi, tu marcheras comme un Dieu. Mmh, tu vas bien. affronter des dieux. Tu vas gagner des dieux. Tu vas faire tomber des dieux même de ta famille. C'est pourquoi je dis la foi de Dieu est plus que la foi de l'homme. Très bien. La foi de Dieu, surmonte monte et tout. Il y a des fois, nous prions, il y a des gens qui viennent, j'ai pris j'ai pris mais demain, il est toujours dans la même situation. Il ne croit même pas à la prière d'autorité qu'il a faite. Mm -hmm. Quelqu'un qui vient aujourd'hui, je ça, je ça. demain, il revient toujours, c'est-à-dire, il ne croit même pas. Or, oh, la foi de Dieu, lorsqu'il parle, c'est fini. La Bible dit, la terre n'avait pas de d'effort, mais Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Oui. C'est la foi de Dieu qui ne recule pas. La foi de Dieu n'a pas regardé d'autres choses. Il n'a pas regardé quoi qu'il se soit, il a dit et c'est ça qui doit arriver. La foi de Dieu est oui et amen. Je, vous, Donc, je voulais que nous amener, de Dieu, je voulais être nous amener à, être, à avoir la foi de Dieu, une foi ferme, une foi inébranlable. Mais par rapport à l'humain, yes. est-ce qu'elle doit être instantanée Parce que quand on parle de foi, vous venez de le dire, que voilà, il va agir. Mais est-ce qu'il y a obligation que ce soit instantané Parce que la personne qui prie, qui prie, qui prie, et qui attend, qui a la foi mais des fois, c'est long. Monsieur, la foi, la foi, tu pries, tu pars. Ce n'est plus ton problème. La foi, ce n'est pas, tu pries, toi-même, tu regardes, tu calcules. Quand tu pries, tu ne calcules pas. La foi, tu pries, tu pars. Tu sais que c'est oui, c'est Amen. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas, tu, tu pries, tu es en train de faire des calculs, tu es en train encore de réfléchir. Non, la foi, tu pries avec la foi. La Bible dit, tout ce que vous demanderez par la prière, avec la foi, croyez. La Bible dit croyez et vous le verrez s'accomplir. Donc on doit croire. Tu pries, tu crois que c'est vrai, tu crois que c'est oui et Amen, tu crois que Dieu a fait, tu crois que je suis délivré. La vie chrétienne, la foi, c'est la foi de maintenant. Ce n'est pas la foi de demain, ce n'est pas la foi de penser. C'est oui et Amen. C'est pourquoi la Bible dit Dieu est derrière sa parole. Pour l'accomplir, il est fidèle. Mais le problème, c'est quoi Dans la foi de l'homme, l'homme a la foi, mais il n'est pas fidèle. L'homme a la foi, mais il n'est même pas derrière sa foi pour voir D'accord, je vais vous poser une question stupide. Yes. J'ai la foi, mm -hmm. mais ce que je demande à Dieu est pas biblique ou ne va pas dans le bon chemin. Comme quoi Qu'est-ce que je peux demander Yes. Euh, je veux le mari de quelqu'un. Ça, c'est déjà, déjà, déjà un problème. Voilà, mais je prie. C'est déjà un problème. Mais moi, dans ma foi à moi, je prie Dieu parce que je me dis que peut-être que ce mari. Dans est pour ta foi, moi. À toi, en tant qu'un chrétien, ah oui, tu ne peux pas, râcher, tu <laughs> peux pas arracher, tu ne peux pas avoir déjà ce qui appartient à une autre personne. C'est voilà. déjà un problème. Mais ce que je veux dire, après, moi, je vais attendre. Yes. Avec foi. Non, en tant qu'un enfant de Dieu, Dieu, tu ne faire. peux pas prier pour avoir les maris des autre. Tu donc, ne peux pas. Râcher. Ça, c'est du C'est déjà un On attend certaines choses avec foi mais que Dieu ne peut pas nous les donner parce qu'elles ne sont peut-être pas bibliques ou, ou conformes. Là, ça, ça devient maintenant la volonté de Dieu. Mais Très si bien. tu viens, tu demandes quelque chose qui est bien. Dieu agira selon sa volonté. Okay. Parce que Dieu a aussi sa volonté parfaite et sa volonté permissible. Mais toi, ton problème, c'est quoi Tu viens aller avec la foi, tu demandes, Dieu va te donner, mais peut-être Dieu ne te donnera pas de la manière que tu es en train de, de, de demander. Tu peux demander le mari de mais Dieu te confond, <laughs> il te donne ton mari à toi. Très bien. Parce que ce que tu es en train de demander, c'est du vol, ce n'est pas mm -hmm. bien. Dieu va te... Parce que Dieu est juste. Très Dieu n'est pas injuste pour avoir là-bas et le, la, la, la dame là elle va pleurer et oui. la Bible dit la prière les pleurs des justes ah, C'est encore un problème. Dieu écoute les prières des justes. Dieu va se confondre. Dieu va te donner selon sa volonté et pour que tu sois bien. D'ailleurs, la Bible dit Je connais les projets que j'ai formé sur vous. C'est un projet de paix et non de malheur. Dieu ne te donnera pas la solution de malheur. Dieu te Très donnera bien. la réponse de bonheur, la réponse qui te fera bien, la réponse qui te donnera l'avenir. Très bien. Mais est-ce qu'alors il est correct euh, Peut-être que si j'ai pas de réponse. De venir vous voir. Ce n'est pas mauvais de venir me voir. On peut prier aussi ensemble. On peut continuer à prier. La Bible dit de continuer de prier. La Bible dit de ne pas arrêter. On peut continuer de prier. Dieu agira toujours. Mm -hmm. Dieu répond. La Bible dit, vous me chercherez et vous me et trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, Dieu mmh. se fera toujours voir. Quel que soit le temps, Dieu va parler, puisqu'il parle tantôt d'une manière et d'une autre. Tu auras ta réponse. Tu auras ta solution, mais le problème, c'est quoi Tu dois avoir la foi de Dieu. Parce que la foi de Dieu, ma sœur, peu importe les médecins peut dire, la foi de Dieu ne regarde pas les, 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 la chronologie, les, 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 les strictes médicales. La foi de Dieu ne regarde pas les liens familiales. La foi de Dieu c'est tic au tac. Lorsque Dieu bénit, il ne regarde même pas, euh, euh, je ne sais pas, les hôtels qui se trouvent dans ta famille. Lorsque Dieu libère, il ne regarde même pas tous les gens qui sont à côté de toi parce que c'est Dieu ce que Dieu a ouvert qui peut fermer ma Très bien, du tic au tac donc je pense que vous avez compris hein? La Bible dit si Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Donc, la foi de Dieu, c'est ça. Si j'ai puis, je crois totalement que moi, je ne suis pas stérile, j'ai des enfants. J'ai pris, avant de sortir, j'ai pris dans ma maison. Même à l'église, j'ai pris. Je crois, je crois, je crois. Tu le verras ça s'accomplir. Car tout est possible à celui qui croit, bien. D'accord. On va Et ce n'est pas n'importe quelle foi pour que la chose soit possible. Ce n'est pas, ce pas le, la fois où tu regardes, tu, tu, vois parler, tu vois les gens comme les arbres. Ce n'est pas une fois où j'ai mais je vois comme si ça tarde. Non, ce pas à toi de voir si ça tarde. Toi, tu pries Crois seulement. Il y a des fois, Christ a dit crois seulement. Malgré, mais crois seulement, tu verras. Très bien. Alors, on va passer euh, au dernier chapitre, hein, qui est le 1 Jean 4, 4. Yes. D'accord. Donc, euh, je vais le lire. 1 voilà. Jean 4 4. Yes. Vous, petits enfants, yes. vous êtes de Dieu. Yes. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous, vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Ça, c'est la responsabilité, c'est l'autorité, c'est le pouvoir que Christ a. La Bible dit, vous petits-enfants, il y a des fois on se croit des petits-enfants, il y a des fois qu'on se croit comme des injustes, il y a des fois on se croit comme si c'est impossible pour nous, que ça ne peut pas marcher, mais la Bible dit, vous petits-enfants, si vous ne savez pas, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, vous êtes des dieux. Amen. Vous êtes Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous n'est pas n'importe qui. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Mais comme vous êtes Dieu, vous avez aussi la foi de Dieu. Donc tout ce que vous allez lier sur la terre sera aussi lié dans oui. le ciel. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera aussi délié dans le ciel. Parce que vous êtes des dieux, vous avez l'autorité, vous avez le pouvoir. D'ailleurs, Christ a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Rien n'est pour regarde, regarde comment cet homme était bon. Regarde la foi de Dieu. Il n'y a que la foi de Dieu qui peut marcher sur les serpents. Puisque si tu, es, si tu as la foi des hommes, tu vas fuir devant un boa spirituel. Tu vas fuir devant un anaconda. Tu vas eh dire, ben non, moi je ne sache pas. J'ai rêvé, j'ai vu, vu des gens qui sont atteints. Si tu n'as pas la foi de Dieu, tu vas commencer à crier. Et au nom de Jésus, ça ne sort pas. Mais quand tu as la foi de Dieu, tu vas dire, au nom de Jésus-Christ, allez, sortez, va-t'en, ils vont partir parce qu'ils vont t'obéir. Puisque tu as la foi de Dieu. Très bien. On a vu des gens, ils chassent les démons, les démons n'est pas foi. On a vu des gens, ils crient au nom de Jésus sans effet. Mais un Dieu, lorsqu'il parle, personne ne peut, parce qu'un Dieu ordonne. Et comment on sait, c'est-à-dire que moi, je peux avoir la foi de Dieu, comme vous le dites, et je, je vais dire, je vais marcher sur ces eaux, je vais traverser. Mais peut-être que ma foi est pas assez forte. Comment on le sait, pourtant, je le sens, et on a déjà vu quelqu'un dire, je vais aller sur l'eau, je vais marcher, et finalement, il s'est noyé. Si tu te nois parce que tu regardes la profondeur, puisque je sais rien, je, Jésus a dit à Pierre, pourquoi Parce que Pierre a regardé. Pierre, ses yeux étaient fixés à Jésus. Mm -hmm. Et quand les yeux de Pierre ont quitté Jésus, c'est là où il a commencé à se noyer. Et quand il regardait Jésus, ils étaient un. C'est pourquoi Christ a dit, moi et les Pères, nous sommes un. Hein, <laughs> Donc pourquoi, quand, que, tu, quand tu as la foi de Dieu Tu deviens Dieu automatiquement Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui Quand on a ce genre de témoignage de personnes qui se sont noyées Est-ce qu'on ne doit pas Ne voir que ce qui est dans la Bible Comme des récits, des exemples Mais ne pas défier La chose de la même manière De dire mercredi J'irai et je vais vous montrer Que je peux marcher sur les eaux yes. Par la foi yes. Tu peux démontrer parce que la foi, c'est une démonstration. La Bible a dit que la foi, c'est une ferme, c'est une des choses qu'on veut. Une dé, il faut démonter parce que la foi, ce n'est pas seulement la foi. Puisque la foi sans œuvre est une foi morte. Même si aujourd'hui, ça n'a pas marché, tu, tu dois démontrer que ça va marcher toujours. Et pourquoi ne pas démontrer plutôt positif, de dire, euh, je vais chercher un travail ce matin. Yes. Quand je vais arriver, on va me prendre. Yes. Je vais être embauché. Yes. Pourquoi aller chercher, je vais vous montrer que je peux marcher sur les eaux. Non, mais si tu dis que je vais chercher, si tu as la foi, Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Mm -hmm. Christ qui parle, il a dit aux gens qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, la foi est très importante. C'est la base centrale de toutes choses. Qu'il te, qu te soit fait. Si toi-même tu veux avoir des mains, tu l'auras. Mm -hmm. Tu l'auras. Si tu veux avoir après, si tu veux concevoir, si tu veux avoir des enfants, tu l'auras. Si tu, veux, si tu veux faire des gars, tu peux les faire. Par Parce contre, que tout est possible. En tant qu'évangéliste, yes. j'aime le message. Yes. Mais pour beaucoup de personnes, surtout dans nos pays, est-ce que vous pensez que c'est la bonne manière de vous arrêter à la foi C'est-à-dire de, de ne pas développer peut-être avec un euh, ⁇ prends ton lit, lève-toi et marche ⁇ Parce que euh, certaines personnes vont se dire ⁇ j'ai la foi, je prie, j'attends ⁇ et peut-être que tu dois sortir de chez toi non, aussi. La foi, c'est pas comme ça. C'est pourquoi la Bible dit dit, c'est une démonstration. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère. Si tu as besoin d'acheter, comme tu es, tu, t'es bien habillé là. Si tu as besoin, tu as la foi. Mais il faut aller au magasin. Il faut non, aller mais euh, chercher. Avant si aller si, si, magasin, si, si tu as au magasin, il faut avoir l'argent. La voilà, c'est ça. Mais il faut avoir l'argent. Il faut travailler. Voilà, et c'est pour ça que je dis ça. Je dis que dans nos communautés. Il y a la beaucoup foi, de gens bourrés dans l'église. La foi ne dit pas que de rester à l'église. J'ai voilà, la foi, non. La foi, c'est les œuvres, ma sœur. La vie chrétienne sans œuvres, ce n'est pas une vie chrétienne. Mm -hmm. La foi sans œuvres, c'est une foi morte. Quand tu prie à Dieu, il faut sortir. Très Quand bien. tu pries à Dieu, il faut aller chercher. Très Quand bien. tu pries à Dieu, il faut agir. Très tu bien. ne peux pas même Christ a dit mon père, agit, moi aussi. J'agis, il pouvait rester, il pouvait s'asseoir dire que les gens les gens c'est non mais Christ a traversé des villes pour Très aller prêcher. Donc Alors, la tous les foi gens qui être au Congo, accompagnée puisque par vous les êtes, Vous êtes au Congo. Yes. Donc on nous regarde sur ces directs. Hein, merci à Pactol Production, yes. Lolo Moutima. On est suivi sur ces directs. Euh, on voit souvent à la télévision quand il y a un problème quelque part. Mm -hmm. euh, Maman Denise, taille la -so Avant Maman Denise, on était à l'église. Mm -hmm. On a prié. On reste à la maison. Papa Fachi, taille la bisolikambo. Est-ce que c'est normal? ne nous a pas appris comme ça. Christ on nous a, a foi, appris à chercher. Et a, voilà. Christ nous a appris. Christ, il a envoyé Pierre. Il a dit, Pierre, il a pêché toute la nuit. Il est rentré. Il est rentré. Il a dit, je n'ai rien pris. Jésus pourrait dire, bon, il n'y a pas de problème. Il a dit, va jeter, va encore, va encore, va chercher encore. Donc, j'espère que c'est comme ça que si foi, je viens demain faut, à votre église. Il faut laisser vraiment c'est Que vous ne me laisserez pas m'asseoir en me laissant d'attendre la foi, en me disant, lève-toi. Non, il faut t'élever, il faut aller chercher, Très il bien. faut agir, ma tu ne Très peux bien. pas rester comme ça, ça ce n'est pas une vie de Christ, la vie de Christ c'est agissé tel qu'il est, tel que nous sommes, il est notre modèle. Christ ne dormait pas. Christ agi, agi, il, il, il agissait puissamment. D'ailleurs, un jour, il a dit à ses disciples :« Même le fils de l'homme n'a pas, il n'a pas parce qu'il doit bosser, il doit travailler. La vie chrétienne, c'est le travail. Amen. Ce n'est pas seulement la Bible rester à la maison Amen. dormir permanence. Non, tu Très peux, si tu dois sortir, puisque tu peux rencontrer ton miracle en route. Très tu bien. dois sortir parce que Dieu peut t'ouvrir une porte à côté. Tu dois partir. Tu vois que ça ne va pas. Tu dois t'élever. Lorsque Moïse est mort, Dieu a dit à Josué quoi Lève-toi, mm -hmm. tu dois t'élever après la mort de Moïse, lève-toi après la prophétie, après la prière, après les jeûnes, après tout ce qu'on peut faire, tu dois t'élever pour aller chercher parce que celui qui trouve, c'est celui qui cherche. Si Très tu bien. ne cherches pas, tu ne peux pas trouver. C'est ça la foi de Dieu. Même Dieu agit, même Dieu opère, même Dieu travaille, il n'arrête pas de travailler. Jusqu'à jusqu maintenant, il est là, il travaille. Et je vous parle, il est en train de travailler parce qu'il guérit beaucoup de gens. Il bénit beaucoup de gens au travers cette de cette émission. Beaucoup de gens sont bénis au travers. Je vois beaucoup de malades sont guéris au travers. La foi de plusieurs ont changé à cause de cette émission seulement. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Nous tentons vers la fin de notre émission. Yes. Euh, je voudrais vous demander quand même si les gens veulent vous rencontrer ou veulent venir participer à votre culte. Euh, comment ils font ah, Vraiment, les numéros seront là. Les numéros sont là. Et mon numéro, c'est 06 50 49 09 30. L'église se trouve à voilà. Pierrefitte, l'église vie Miracle. Donc, vraiment, appelez-nous. Et on se fera, on va prier ensemble. Nous avons une vie chrétienne des responsables, pas une vie chrétienne des irresponsables, des gens qui attaquent seulement au papa, papa. Non, nous avons une vie chrétienne des gens qui agissent parce qu'on nous a donné le pouvoir, ma sœur. On nous a donné l'autorité. C'est à nous maintenant de les mettre en pratique. Très bien. Donc, mettons-le en pratique. Euh... Ayons la foi de Dieu. Puisque la foi de Dieu bouleverse sans même tes ennemis seront confondus. Pourquoi Parce que tu as la foi de Dieu. La foi qui ne recule jamais, qui ne regarde pas les liens familiaux, qui ne regarde pas et, et les ennemis. Parce qu'aujourd'hui, seulement les ennemis, non. On n'est pas là pour regarder nos ennemis. Mm -hmm. On est là pour glorifier Dieu. Nos ennemis, c'est à Dieu de s'occuper d'eux. Et bien. on va aussi prier pour nos ennemis. On a Très un bien. travail toujours. Avec pas. Dieu, on a toujours un travail. Très bien, bah, écoutez, je yes. vous remercie beaucoup. Je remercie tous nos téléspectateurs. Je remercie direct. Je remercie Pactol Studio. Je remercie mon équipe à la réalisation, Paul et JC. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi ou de matinée, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous avez suivis. Et donc, euh, en ce qui vous concerne, évangé... Monsieur l'Évangéliste, yes. vous êtes le bienvenu une toute Amen. prochaine fois. Merci beaucoup. Pour tout le corps du Christ pastoral, si vous voulez participer à l'émission. Vous êtes les bienvenus, je vous attends ici sur le plateau, comme euh, l'évangéliste est venu au jour d'aujourd'hui. Et pour le reste, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Communiquer à l'international au-delà du Congo et de l'Afrique. Une seule chaîne, c'est direct. Diffusée en France par Freebox, Canal 449, Molotov TV, le bouquet africain en Europe. Évidemment sur le continent africain, Canal Plus Afrique, Canal 334. La TNT de Canal, Easy TV, Canal 3. La seule chaîne privée congolaise, suivie par la diaspora africaine et congolaise en France et en Europe. Le Congo vu du monde, le monde vu du Congo. C'est direct, première chaîne mondiale des deux Congos.